Nos voyages sont basés sur deux fondements. Le premier, c'est la relation humaine. Donc nous allons favoriser un maximum le contact avec la population locale. Bien entendu, nous proposons aussi des activités axées sur la culture, sur la nature, sur le sport, sur la détente, mais avant tout vraiment sur l'homme. Et le deuxième fondement, qui est très important, c'est trouver le juste équilibre entre organisation et autonomie. C'est-à-dire que c'est basé sur le fait que le voyageur va retenir ce qu'il expérimente lui-même. Donc nous allons favoriser vraiment la rencontre, mais nous allons permettre au voyageur de la vivre à son rythme. Voilà. Et l'objectif central, évidemment, de notre voyage est de mettre l'homme au centre du voyage, le voyageur et l'autochtone. Je dis souvent que, en fait, finalement, nous sommes un petit peu un organisme de voyage, oui, mais on est entre le voyage seul en sac à dos et le voyage tout organisé. D'ailleurs, je préfère dire que nos voyages sont accompagnés plutôt que organisés.